Je suis Sumunta Kyofilavong, la fondatrice de Novegard, une plateforme de mode et de lifestyle personnalisée et sur mesure à New York City. J'ai été diplômée de l'IUCS en 2000, parcours marketing et vente. J'ai fini mon diplôme en fait à Édimbourg, en double diplôme. Je suis partie à Londres vivre et travailler pendant à peu près 10 ans. Et ça fait 10 ans maintenant que je travaille et je vis à New York City. Alors, mon meilleur souvenir à l'EM, c'était être élue présidente du bureau des élèves en 96. On m'avait dit à l'époque que c'était la première fois qu'une femme avait cette position. J'adore croire que c'est vrai, je le crois toujours. Il faudra peut-être vérifier dans les annales, mais j'ai toujours adoré en fait, ce moment où on m'a dit « tu es la première femme à le faire ». Voilà, et ça dirige ma vie. Visionnaire, c'est une sorte de créativité avec beaucoup de pragmatisme. Donc moi je suis très rarement contente des options qu'on me donne dans la vie. Et je dis ça, et si on faisait ça comme ça, ou comme si, et subi comme ça, et cela. Et ça prend des proportions souvent astronomiques. Quand on me demande pourquoi, moi ma réponse est toujours pourquoi pas. Network, network, network. Et quand je dis ça, je dis pas va sur ton LinkedIn et fais ton clic. Je dis construis ta communauté. Parce que moi, je l'ai faite et j'ai rencontré le compagnon de ma vie. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Les parents écossais et irlandais de mes enfants, ma cofondatrice qui habite à Genève, mes premiers investisseurs de ma start-up, Novegard, et mes premières clientes. Et donc, je pense que ça vaut beaucoup le coup de vraiment construire vraiment tes relations quand tu es à l'école. Alors, ma citation de film, c'est « After all, after all, tomorrow is another day ». C'est dit par Scarlett O'Hara dans Gone with the Wind, Autant d'emporte le vent. Et elle dit ça en se relevant des escaliers alors qu'elle est à terre. Pour moi, c'est ma philosophie de vie en fait. Je compartimentalise énormément les succès et les échecs d'hier pour me construire, pour en fait focusser sur ce que je fais aujourd'hui. Alors moi, je suis très salopette.